So we will start the presentation of the 12 finalists. And we will start with number 12, Christopher Svensson from Sweden. Numéro 12, le gars suédois Christopher Svensson, aux commandes d'un Kyosho MBL autorisé par Or. Voyons. Kyosho, autorisé par Under OS, les pneus AK. So, Christopher, can you tell us a word about your performance or your. Well, I don't know, okay. Are you ranking in your country or any results on the European scale? Yeah, last year I had the final Euros. Alors Christopher Svensson a terminé à la 9e position lors du championnat d'Europe de 2012 et champion de Suède en 2008. Ok, donc là au Jérôme Sartel en France. Donc Jérôme, tu vas nous dire le mot pour palmarès. Elliot, Boots, some words about your palmarès. Et les buts sont de partir de la 10e position aux commandes d'un Peugeot MBS autorisé par Nova aussi. Il a été 4 fois champion d'Europe junior, 3 fois champion d'Angleterre junior et champion d'Angleterre 2013 pour Gourlivet avant même la fin du championnat. Bonjour, je suis Marseille, je suis de la France. Je suis donc un saut pour faire une division, je suis un peu j'ai été 7 fois de la France, 2 fois de la Jérôme, à ton bonjour, je suis en anglais, je suis en Marseille, je suis en France, 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 je suis en bonjour. Bonjour à tous, Renaud Savoyen, moteur numéro 7, c'est un X-Lite Playoff, c'est moteur Orion, c'est le 2 Sweep. Comme palmarès, j'ai été 3 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 2 fois finaliste en championnat du monde. Et puis aujourd'hui, on verra ce que ça va donner. Et en tout cas, il vous faudra faire du bruit pour soutenir tous. On a l'avantage de voir donc on va en profiter, faire du bruit un maximum pour qu'on aille chercher le titre. Merci Renaud. Ensuite, Marty from UK. Yeah, I'm going to go around. 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 I'm going to go around.
d'un week-end autorisé par 8 multiples champions d'Angleterre et de 4 fois champions d'Europe en 1/10, en 4-4, 1/10 électrique et en 4-2, 4 finales du championnat du monde à son actif, champion d'Europe et en 2008 dans la catégorie 1/8. Il a été félicité lors des championnats d'Europe et du monde en finissant à la 11e place en 2012. Voilà, maintenant c'est au tour de Robert Bradley, en Spain. Champion du monde en titre, Robert Bradley partira de la 5e position aux commandes d'un Mugen autorisé par Nova aussi, un salut client la victoire encore cet après-midi. Donc, okay, Martin Bayer from the Czech Republic, and donc Martin Bayer de la Monsieur Wolf, Martin. Il a notamment plusieurs sélections sur l'Europe et donc deux titres de champion d'Europe en vice 1/5. Now we have Darren Brunfeld from Great Britain. I think my grounds are very important. We should never forget the people that bring us here and give us this chance. Have fun everybody, I hope I'm going to be at the front, but anything can happen, so. Now we have John Neumann from Germany. De cette finale, c'est la deuxième place aux commandes de son Durango, motorisé par Pico, multiple champion d'Europe, notamment en catégorie 1/10 électrique. Il a remporté la fameuse Red Race of Champions aux États-Unis et de multiples titres allemands. Now we have the Poland, David Ronfold. I just want to go out there and do my best, hopefully I can win. And I wish all the other drivers good luck, and you had a great fun. Have fun. Le Maillot Suède partira de la première position sur le ligne de départ. David Ronfeld a seulement 17 ans. Le dernier prodige, il pilotera un Kyosho MP9 motorisé par Orion et chaussé de deux AK. Trois fois qualifié en championnat d'Europe A. Il a gagné le Grand Prix en 2009. Six fois champion de Suède, trois fois champion d'Orbique. C'est l'élection. Trying to get those three channels for